On va où là? Il y a quoi ici? Je sais pas. Je joue doucement. Oh putain! La cuisine! Oh la télé! Comme au centre scientifique! Ouais. Vas-y, avance. Oh. Oh mais attends, mais les couleurs dans ma caméra, mec! Ça donne sur un putain de couloir de la mort! Waouh, mais attends, il y a trop d'informations pour mon cerveau là. Winex. Tu suis? Je suis. C'est. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être des. Ouais, c'est des. J'ai peur. Ah, c'est bien, bien dégradé hein, quand même. Ok, ça passe dans une cour, mais c'est pas intéressant pour nous, j'ai l'impression. Les toilettes. On dirait des vestiaires, des. Tu sais, comme dans les camps de vacances. Baby foot de l'époque. Voilà. Dans ce truc là. Ouais. Il y en a un là-bas. Il y a la tour. Il y a une espèce de sculpture là-bas bizarre. C'est le bar. La réaction qu'on a eue. C'est joli ou fou. Oh putain, regarde la photo là. Ah ouais. C'est vrai qu'au fond c'est très joli. Mais regarde, il y avait les clés là. Ça vous mettez les clés, non? Ouais.
oui, fais gaffe. Moi, j'aimerais savoir comment on rentre ici. Ah, là, j'ai trouvé l'entrée. C'est là. Il y a un écriteau. Alors, qu'est-ce que c'est marqué ? Pavillon construit grâce aux dons collectés de Marcel Bouton, président. Président de l'Union syndicale de Sens en Bourgogne. Nivernais, attends, j'arrive pas à lire. Nivernais Champagne. C'est joli à la caméra. Oh, il y a des lits. Attends, attends, j'ai peur. Ok. Ok, là c'est une boxon. Là aussi, putain, mais il y a une tornade ou quoi? Bon, on va voir ce qu'il y a là-bas. Wouah, ce Last of Us. Ah ouais, là c'est beau, hein, putain. Regarde avec la fenêtre. Je me vois là-bas, salut. On peut y aller. Mon Dieu. Oh. Qu'est-ce que c'est beau. Le manoir Formica. Véritable ode aux années 80, quand on se penche légèrement sur le design de ces meubles en formica véritable. Implanté en lieu et place d'un ancien château féodal, dont il ne reste plus que deux tours sur le site, le manoir accueillait autrefois des enfants pour leurs vacances d'été, mais aussi des routiers venant trouver repos dans ce petit coin de verdure, loin du stress de la ville. C'est une cuisine ça aussi. Waouh ! Toute cette vaisselle, t'as vu ça ? Le calendrier servant de planning pour les employés est daté de 1990. À n'en plus douter, il s'agit bien là de l'année de fermeture de l'établissement. Les étages suivent tous le même schéma, avec un long couloir desservant chacune des chambres mélangeant divers meubles et décrépitude. Oh putain, c'est dingue. Oh, mon Dieu, cette chambre. Il y a une sorte de petit trou là. Oh là 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 là. Une vieille valise et tout. Oh, la vieille valise, regarde ça. Ah oh, ouais. J'ai vu. Oh, mais celle-là aussi bien. Attends, déjà, je vais mettre celle-là. Ça va, c'est un peu. Waouh. Non, mais attends, là, c'est trop beau. Ouais.
c'est rempli. Ouais, c'est que des lits en fait. Dire que ça a été abandonné depuis 30 ans. Ouais. Ça veut dire que ça pouvait devenir des couchards pour y vivre ici, en vrai. Ouais. Ah oui, carrément, il y a tous les lits et tout. Bah ouais. On peut squatter carrément. On va aller voir, il n'y a plus de clés encore, il n'y a plus de clés. Fort bouillir. C'est la clé de quoi ? Fort bouillir. 6. La chambre 6. Là, cette clé. Attends, mais non, il y a déjà une porte. C'est le double des clés. C'est le double. Ben non, c'est pas du tout la même, regarde. Bon, c'est peut-être 6 les autres chambres. Peut-être. On ira voir, au pire, ça les fermer. On dira un jeu vidéo. Faut trouver la clé pour ouvrir la porte. Le manoir reste encore à ce jour assez fourni de vestiges de la ville qui l'habitait autrefois. Très peu fréquenté par les casseurs et les pilleurs, le lieu présente que peu de taille, pour notre plus grand bonheur d'explorateur urbain. Et c'est sur ces dernières images que je vous remercie d'avoir plongé dans cette découverte, aux côtés de mon binôme, Franck Urbex et moi. Je vous réserve du très beau pour les prochaines vidéos. Je sais très bien que tu ne mettras pas ce plan-là dans la vidéo finale, mais je voulais quand même le filmer. Voilà, j'aime bien ça.